C'est un sacré chantier, c'est superbe, j'ai passé une excellente journée, mais sincèrement, j'en ai fait trois à Chamonix, je me demande si c'est quand même le plus dur que j'ai fait quand même. Mais c'était une super journée, j'espère que la descente va bien se passer maintenant. The first thing I fell in love with was the spirit of the ultra race. You run your own race, you do your own adventure, and you do it for your own reasons. And that's really something that connects the first one to finish and the last one to finish. And if you've never done an ultra race, you don't really understand that. That's your own battle with the course and with your inner self, huh? And it's the same for everyone. Allez, les bras devant, on va se faire une méga balle, on va se réveiller un petit peu le 90. You have to stay humble when these races are really tough, huh? And you just go out there and see if you have a good day or a medium day or a bad day. You have to be respectful of the mountains. Avoir une petite boule au ventre quand même. En plus c'est mon premier 90 bornes, alors j'ai fait 75, alors aller faire 92 km quand même, il y a 6004 en dénivelé, on a quand même une appréhension, voilà. Surtout ça quoi, voilà. La primera subida, he visto que hay 1400 positivos, será cuestión de salir con cabeza y dosificar mucho, que la carrera es muy larga. One of the reasons to do this 90k race is because it's basically you go from one amazing place to another. So, but for me the most special part is actually the start, that when you go up and then you have the sunrise at Brevent. I remember last year when I ran this race, I actually, even though it's a race and you really want to push, I still had to stop and just for a second and just watch the sunrise in the valley. It's so beautiful. Every part of the course is spectacular. I think when you do this kind of races, you run your own race, and I often run alone. I seem to have a pace that no one else keeps, so I just think it's nice if I have some guys in front of me that, you know, I feel like I have some company. So I think it's you have to run your own race. Of course, it's nice to finish on the podium and everything, but I mean, this kind of races, you never know how it's going to end. I mean, if you fall, you might break an arm or whatever, and you have to do your own thing. So, yeah. Les deux grosses montées là, ça va être coton, notamment celle du montant vert, la deuxième. Faut en garder sous la semelle quoi, pour pouvoir finir bien. I can still run, but my feet are just killing me. It's just just the bottom of the feet are terrible.
like a 18 hour massage, you know. Yeah. Oh well. It's only one way to go down and then that's it. So let's just do that. Ouais, sous la nuit c'est un peu long en fait, du glacier jusqu'ici là, c'est un peu long quoi. Parce que tu vois pas le bout en fait. Et puis avec les lampes, t'as pas trop la même notion de distance. Mais bon voilà, ça fait partie du travail. J'aurais dû courir plus vite et puis je serais passé de jour. Hein. C'est de ma faute en fait. In this kind of race you have to just give your heart to the course because it's very tough, huh? And sometimes you fall, but you just continue. On sait qu'on va arriver au bout, donc voilà, on a fait plus dur. Donc voilà, super journée. On a bien galéré sur la montée pour aller au barrage des Mossons. Mais super courte, super ambiance. Et tout le monde, dès qu'on est dans le mou, allez, tchou, ça va aller. On va aller au bout. Voilà. Donc on a fait un Insta qui dit oh, t'inquiète, ça va revenir. Donc voilà, tout le monde dit donne un petit mot sympa. Ça troquinque et puis voilà, on est reparti quoi. Là c'est un sentiment de vite finir, pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Là la montée elle a été très difficile là, depuis les bois. Il n'y a plus qu'à descendre et puis ça va aller tout seul. Là on voit les lumières de Chamonix, c'est magnifique. Donc on sait que là maintenant c'est bon, on a fait la course. Encore une heure et demie de prudence de la descente. Et puis on sera finishers, on sera tous contents. Thank you.